Mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais pas faire ça aujourd'hui parce qu'on est en semaine. Et que je ne doute pas que peu de monde vont répondre à mon appel. Des voix délivrées, une symphonie statique, leur heure viendra bientôt. Un silence s'installe. Beau travail, je vais voir où en sont les autres. La seule solution que j'ai, c'est d'attendre qu'un autre joueur vienne. Parce que lui, à mon avis, il a déjà buté l'autre. Il va rendre la quête. Ouais, c'est ça, lui, il va rendre la quête. Donc, il a déjà buté l'autre. À moins qu'il vienne m'aider. Oh nickel. Oh nickel. Oh il va pouvoir m'aider. Je sais pas ce qu'il est. Je crois que c'est un druide. Paladin. Oh putain, le bol de ouf. Un grand merci aux joueurs. Alors là, oh, un grand merci là. Alors là, franchement. Mintorap, franchement, merci beaucoup. Enfin, je sais, je pense que ça se prononce comme ça. Parce qu'il y a un caractère en cyrillique au milieu. Je veux dire Mintorap, mais un grand merci à lui. Là, Quelque chose franchement, à signaler? merci beaucoup. Je On peut percerai progresser, c'est une grâce à passe. lui. Alors là, je veux dans les commentaires des grands GG à Mintorap, parce que là, wow. Du coup, là il a fait le café. Hein. Protège-main, chorale, ouais, donc. Et grimper sur Kabato et charger au combat. Je Les suis en train de autres récupérer automates m'ont en donné récompense de l'assaut. quête tout ce que j'ai acheté contre des PO. Bon, c'est pas un problème, maintenant les PO sont plus un souci hein, en vrai. Hein, même si j'ai que 300 000, en vrai, déjà je peux déjà me payer du stuff correct. Sauf que là, tout ce que j'ai en. Du coup, je dois chevaucher. Hein? J'ai pas compris. Percevez-vous les schémas, les fractales? Ah, ok. Funéraire. Oui! Et la riposte va saigner. Bon, du coup, troupe entre lige, ok. Jusqu'aux cryptes, écraser les entreliges. Ah.
Je dois d'abord voyager ici. Maintenant ou jamais, Kabato peut détruire la barrière qui barre l'entrée des cryptes. Allez-y, nous tiendrons le temps que vous exploriez les cryptes. Sommes-nous dignes d'un tel savoir ? Leur chance se propage. La création appelle, l'entendez-vous ? Pourtant, les ténèbres s'éternisent, éternissent la mélodie antique. Avant de créer, la paix doit revenir, l'âme sans entrave doit avancer. Il y a tant à faire, nous vous suivons. La création. Ce champ faussé, les cryptes profanées. Hurlement de colère et d'agonie, l'antique berceau des premiers souffles n'abrite plus que souffrance. Le cosmos fut sculpté, mais rien n'est définitif. Il me reste à peine une heure de tournage. Aligné. Merde, j'ai pas lu les instructions. Alors seulement l'harmonie sera. Excusez-moi.
Du coup, l'ordre des choses. L'essence d'âme ancienne altérée, elle exsude de toutes les pièces. Les murs doivent être reconstruits et les flots d'âme redirigés. Les sphères sont la clé. C'est les brèches. Rétablissez les flots et le réceptacle pourra être rempli. Les ténèbres répandent de la dissonance entre les murs. Les entreliges drainent toute énergie vitale environnante et ne rendent que souffrance. Cela doit cesser. Si nous voulons restaurer le champ, nous devons faire silence. Les entreliges doivent périr. Bon. Du coup, je propose c'est on se fait les sphères et on bute les entreliges sur la route, quoi. On dirait Nulidaru. Vous croyez avoir gagné? Voilà les sphères. Essayez de les pousser pour les réallumer. Ok, salle suivante. Je n'ai pas de cible. Il me faut une cible. Je dois d'abord choisir une cible. Thank you.
crois pas, la réinitialisation des PNJ là, au mauvais moment. Je viens de prendre 11 000 de dégâts là encore. Putain, ils sont cheatés les mobs, hein, franchement. Non, non, j'ai pas rêvé. J'ai pris 11 400 de dégâts. En premier, ces âmes ou... Oh, j'ai tant de questions. Bon, on va déjà prendre ça. Ma voix vous est révélée. Alors du coup, il reste les deux là. Ces âmes peuvent être appelées à créer l'arbitre. Cela veut-il dire qu'elles peuvent devenir autre chose ? C'est la dernière, pourvu que ça fonctionne. Les sphères sont en place, une mélodie se construit. Allez et ramenez le cœur des clairvoyants afin que le cycle de la renaissance reprenne son cours. Emmenez Ferim et les clairvoyants au centre. L'heure approche. Faites venir les clairvoyants. Les splendeurs de Zerès Mortis sont innombrables. La vocation de ces salles sacrées va nous être révélée. Je n'arrive pas à le croire. La voix
vous est révélé. Je sens qu'il va y avoir une couille. L'heure est venue, quand vous serez prêt à commencer, prévenez-moi. Vous briserez le silence. Le cœur se rassemble. L'incarnation est prête. Votre voix doit se jouer. Je sens la couille venir. Quelque chose perturbe le rituel. Nous avons tant attendu ce moment. Le stratagème du banni se concrétise enfin. Une âme monde pervertie par la mort. Une force suffisante pour écraser l'arbitre. Et voilà qu'elle va investir cette enveloppe. Arcus sera éternel. Il attaque pas. Ça, j'aurais peut-être pas dû. Sac à PV. Presque 1 million de points de vie. Quoi. Thank you.
On se fait chier là, hein. Avec plus que 19 000 PV. Est-ce vraiment terminé? Leur chant se propage à travers moi. Une pause des nuits. Que s'est-il passé? Une pause dénuée de souffle, une mélodie persistante, le cycle attend, une voix. Vous ne comprenez pas très bien le sens des paroles de Nana. Vous devez peut-être préparer un nouveau rituel en commençant par le réceptacle des clairvoyants. Examinez le réceptacle des clairvoyants, ok. Le cosmos fut sculpté. La mélodie reflue, elle un refrain plaintif. Le cycle attend une voix. Il ne reste aucune trace de l'âme qui se trouvait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est des réponses qu'il nous faut. Pas des devinettes. Que se passe-t-il maintenant? Il doit y avoir une autre solution. Les automates. Ah, faut que j'examine aussi les automates. Alors je m'attendais à une couille, mais pas dans le genre. Mon arme est à votre disposition. Et mes ailes. Sans l'arbitre pour endiguer le flot d'âmes qui se déverse dans l'antre, jamais l'ambre terre ne recouvrera son intégrité. Ça ne peut pas se terminer ainsi. Par pitié, dites-moi que vous avez une idée. Trouvez un moyen de créer un nouvel arbitre. Je combats. Il ne faut pas vous en vouloir. Si seulement il existait un autre moyen. Oh, alors par contre j'ai une autre idée là. Moi j'en ai une. Il y a un moyen. Pélagos, où veux-tu en venir? J'offre mon âme pour servir l'ombre terre. M'en doutais. J'en étais sûr. Mais non! Je n'ai toujours pas connu mon ascension, Cléa. Et il y a peut-être une raison. Mais ton âme... Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, ma sœur. C'est mon choix. Mon dessein.
nos âmes sont liées. Rien ne pourra jamais nous séparer. Une nouvelle voie de fête unique. Une âme divine, pure et apaisée. L'équilibre rétabli. Cool, ça veut dire qu'il nous emmerdera plus pendant l'émission. Moi, ça me convient parfaitement. Toi. Oui, Cléa. Je suis celui que j'ai toujours été. Et bien plus encore. Cool, ça tombe bien, il me saoulait ce personnage. depuis longtemps. Va. Frère de mon cœur, nous te retrouverons là-bas. Adieu, mes amis. Le schéma est de nouveau complet. Notre service reprend. Ce champ est à présent achevé et l'harmonie restaurée. Pour autant, Zares Mortis reste rongé par la discorde, la dissonance perdue. En dehors de ces murs, et nous devons partir avant qu'elle nous retrouve. Adressez-vous à celui que vous appelez Firim, il vous ouvrira la voie. Retrouvez au creux de l'exil. Alors. Ah, bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. La création doit survivre. Vous dire un mot? Oui, bah vas-y, je t'écoute. Le changement est en marche. Il faut savoir marcher avec lui. Oh. Alors justement, la taille, c'est ce que je n'avais... j'avais acheté, je crois. Je sais plus. Si, écharpe chorale. Si, forcément, j'avais acheté. Mais là, par contre, on a un truc sympa, corps de l'unité. C'est sympa ça. Je dois vous avouer qu'au départ, j'ai pensé que Pélagos faisait un terrible sacrifice. Mais maintenant, je comprends qu'il fait don à l'ombre-terre de tout l'espoir et de la compassion que renferme son cœur. Nous devrions lui rendre visite. Ouais, waouh. Moi, je suis content, moi, pour lui. Surtout, on l'aura plus dans les pattes. Quand vous arriverez à Oribos, adressez-vous à Talinara. Je vous y rejoindrai, mon ami. Parler à Tayeraba, à Oribos. Bon. Pélagos, après tout ce temps, il a fini par tous nous transcender. Oh. Bon, allez. On se casse. Rien d'autre à faire? Rien d'autre à faire. Allez, c'est ça, hein, de toute façon. Hein. Ouais, bah non, retour à Oribos, du coup. Ah, tiens. Ma carte s'était pas remise à jour. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là après. Parce qu'honnêtement, on aura bien progressé.
Mais elle est longue, cette campagne de Shadowland. Sincèrement. Comparé par exemple à Légion où en une trentaine d'heures on pouvait le faire, il me semble. Là, c'est méga long quoi. Rien de neuf hein, là. Nous avons tous non, rien de neuf. Un devoir à accomplir. Attendez, juste avant de partir. Enfin, même si Oribos se chlavait aussi, mais. Oh! Oh! Une tunique. Ok, j'ai. J'ai un truc à 19 000 qui est parti quand même là. Avez-vous des antiquités à céder? Je collectionne des objets de plus de 2 siècles. Bien, retour à Oribos. Attendez, j'ai réactivé mon micro, hein. Ouais. Excusez-moi, je l'avais désactivé parce que je devais éternuer. C'est là-bas, je peux utiliser une monture. Quel est votre dessein? Et dis à Adrestes que je regrette de ne pas avoir pu devenir acolyte. Mon petit doigt me dit qu'il ne t'en tiendra pas rigueur. Sans entrave, mon ami. Sans vous, jamais je ne retrouvais ma voix. À présent, je vais pouvoir guider ces âmes vers les royaumes qu'elles méritent. Mais il nous reste une tâche à accomplir. Pour rendre à l'ombre terre son équilibre, il faut terrasser le geôlier. J'ai confiance. Notre ami et ses alliés réussiront. Allez servez, mes amis. Oribos et toute l'ombre terre comptent sur vous. Qu'est-ce qui vous inspire? Quand même. Nous allons relever le défi, quel qu'il soit. Retournant à Zares Mortif, vous devez informer Bolvar du tour de force que nous avons accompli. C'est une belle victoire, mais nous avons encore fort à faire. Faites votre rapport à Bolvar au refuge. Il va être surpris. Puisse la sagesse de l'Archonte s'imposer à tous. Bien. Elle est stylée ta faux, toi.
quoi ça? Sacre nuit démoniste. Mais c'est pareil, c'est la faute de Doyle Levant, c'est juste une autre version ça. Ouais, c'est ça. C'est une autre version de l'Utalèche qu'elle a. Qui est super sympa. Sans entrave, nous avons beaucoup à nous dire. Oh oui, t'as pas idée. Il s'en est passé des choses. Nous nous dressons ensemble contre les ténèbres. Nous vous avons beaucoup demandé, mais il faudra encore bien plus. La défaite du geôlier. Encore une fois, c'est pas une quête qui est notée comme étant comme faisant partie de la campagne, alors que ça va débloquer le reste. Nous avons enfin réussi à contrecarrer les portes du geôlier, la forge des limbes. Comme l'âme monde d'Azeroth a été restaurée et l'ombre terre peut commencer à se remettre de la pénurie d'anima. Je sais qu'il est dans votre nature d'aller toujours plus loin, mais c'est une immense victoire et elle mérite que nous nous arrêtions quelques instants pour la contempler. Parlez un peu de voir votre ego pour revivre. La victoire face au geôlier. Ah, et ben c'est la fin. Je crains. Toi, tu as trahi ton devoir sacré d'arbitre. Et il t'en coûtera ta liberté. Tes villes menées ont menacé le cycle de la vie et de la mort. Tu as commis une terrible erreur, mon frère. Imagine ce que nous aurions pu accomplir ensemble. Pourquoi, Isoval? Comment as-tu pu en arriver là? Je protégeais enfin un monde condamné. Cosmos divisé ne peut survivre à ce qui respire. Et c'est comme ça que ça se finit. Bien le bonjour. Nous avons tous un devoir à accomplir. Une prisonnière de renom. À présent que nous avons vaincu le geôlier, nous devons soigner les blessures de l'ombre terre, à commencer par le cas Sylvanas Courcevant. Ah oui, c'est vrai qu'on va s'occuper de ça aussi. Elle a certes joué un rôle essentiel dans notre victoire, mais personne n'a oublié ni pardonné les atrocités qu'elle a commises. Elle sera jugée par le nouvel arbitre à Oribos. Uther nous attend à l'anneau des desseins pour vous escorter ensemble, Sylvanas, jusqu'au creuset. Oh bordel! Il faut rester. Je vais remettre la couronne des volontés à l'arbitre. Après quoi, nous assisterons au jugement de Sylvanas Courcevant. Ah, épargnez ma reine, s'il vous plaît. Hop, presque 1000 PO de plus. Vous savez que je la kiffe, Sylvanas. Vous savez que c'est un personnage que j'adore. Parce qu'elle a une force de caractère de ouf. Elle a un charisme de dingue.
On va juste terminer ça et on aura fini en vrai. Je crois vraiment que c'est la fin de Shadowland du coup. Ouais, on a tout vu, je crois. Il y a juste la partie Tenez-vous Zerasportis à prête. laquelle. Ils ne seront pas tendres. Je n'en attends pas moins. Il y a juste un truc du coup, c'est le qu'on a pas pu avoir. C'est le donjon de Zerès Mortis, là, c'est le raid du Sépulcre des Fondateurs. C'est le seul truc qu'on n'a pas eu. L'arbitre nous attend, l'accès au creuset est d'ordinaire restreint, mais plusieurs habitants d'Azeroth ont été autorisés à assister au jugement de Sylvanas. Nous sommes loin d'être les seuls à avoir souffert de ces exactions. Tant ont eu à subir peine et douleur, un disciple par sa faute. La plupart de ces victimes devront se contenter de la huer sur son passage, qu'il crie donc à gorge déployée. Parler à Uther et Boss pour escorter Sylvanas jusqu'à l'enclave, puis parler à Telira qui vous guidera jusqu'au creuset. Allez, il est temps. On y va. Vous avez profané nos bosquets sacrés. Vous méritez 1000 tourments. Là, je la joue RP. Hein. Combien d'âmes avez-vous condamnées? Courage, ma reine. On avait confiance en vous. Vous nous avez trahis. Ma maison, ma famille, il n'en reste rien. Est-ce la justice qu'ils veulent ou la vengeance? Dans la colère et la douleur. On confond souvent les deux. Fiez-vous au dessein. Où elle est? Elle est là. Faut que je lui parle? Faut que je lui parle. L'heure est venue. Ce jour marquera la fin sombre au récit de Sylvanas Courcevant et du début d'un nouveau chapitre de l'Ombre Terre. Venez me voir et nous commencerons par les Pélagos pour assister au jugement de Sylvanas Courcevant. Très bien. Allons-y. Merci. Sylvanas Courcevant, l'heure de votre jugement est venue. Ah, c'est terrible. Il ne peut y avoir de justice sans compassion. Et vos agissements portent la marque de l'influence du geôlier. Une influence que nous n'avons pas su endiguer. Le geôlier ne m'a jamais contrôlé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de mon plein gré. J'en assume les conséquences. Dans ce cas, vous savez au fond de vous à qui vous devrez en répondre.
Je m'en remets au jugement de Tyrande Murmevant. Vous placez donc la justice entre les mains de votre plus grand adversaire. Est-ce que quelqu'un ici souhaite s'y opposer ? Qu'il en soit ainsi. Votre petit jeu ne trompe personne, Banshee. La Sylvanas que j'ai si longtemps traquée ne se soumettrait jamais à la lame de son ennemi. La mort serait une fin clémente, Tyrande. Et je ne compte pas sur votre clémence. Peut-être vos remords sont-ils sincères, mais cela n'effacera jamais vos crimes. Vous ne connaîtrez pas la paix, Courcevent. Pas tant que les âmes de vos victimes n'auront pas trouvé le repos. Le sort de la prisonnière est entre mes mains. Amenez-la. Quand je suis devenu le nouvel arbitre, je me suis juré de prêter une oreille attentive à mon entourage et de prendre en considération les conseils, ces conseils avant de me prononcer, avant de prononcer une sentence éternelle. J'ai une petite idée de la vie de Tyrande sur le destin qu'elle souhaite réserver à Sylvanas. Sa colère est tempérée par sa sagesse et j'ai toute confiance en sa décision. Retrouvez-la à l'anneau de transfert et assurez-vous que son jugement soit exécuté. Parlez à Tyrande à l'anneau de transfert d'Oryx. La justice apporte le châtiment, mais aussi un nouveau départ. Tyrande saura garantir les deux. Après tout ce temps, nous avons tant à nous dire. Ah bordel. Je sais, mes sœurs, mais l'heure du jugement approche. Ah, les trois sœurs Courcevent là, réunies. Généralement, j'aurais deux mots à vous dire avant de connaître mon châtiment. Les événements récents m'ont rappelé qu'on ne pouvait pas changer le passé. Vous me haïssez sans doute pour ce que j'ai fait et je ne peux pas vous le reprocher, mais au nom de la cause que nous avons partagée autrefois et de votre dénouement maintes fois éprouvé envers la Horde, j'espère que vous continuerez à la défendre quoi que l'avenir nous réserve. Je ne vous hais pas, ma reine. Tyrande. Que peuvent faire les cales d'oreilles pour vous ? Entendez. L'antre est là, sous nos pieds. C'est un sort cruel, auquel vous avez livré mains innocentes.